Bonjour, je suis Muriel, alias Princesse Punk. Moi, c'est Isabelle, alias Zaza Di Napoli. Et moi, je suis Vanessa, alias Infinie Couture. Bienvenue chez les Audacieuses. Il était une fois trois Lyonnaises qui avaient décidé d'unir leurs talents. Réunies sous le nom des Audacieuses, elles présentent leurs créations au sein d'une même boutique, des vêtements, bijoux et autres accessoires qu'elles réalisent dans l'atelier voisin. Chacune a créé sa marque et possède son propre univers. Alors mon univers est fait de robes féminines avec des dentelles, des boutons, des matières souples, un univers british. Par exemple ici. Donc ce sont des robes faciles à porter du matin au soir, qu'on peut accessoiriser avec des ceintures, mais aussi des accessoires tels que broches en cuir, badge. Je fais du prêt-à-porter féminin, mais je fais également des chapeaux qui peuvent se transformer en petits chapeaux cloche. Je travaille les cotons japonais. Alors je fais également des serre-têtes avec des plumes et des plumes de paon. Et également, je travaille les paillettes et les sequins. Je crée des objets de déco, des petits objets de déco tels que des photos forts, des coussins. Donc ici, on est dans le thème Dolce Vita, par exemple. Et puis, je fais également des luminaires que je décline dans tous les thèmes et puis sur commande, comme celui-ci. Et les audacieuses sont larges d'esprit, elles ouvrent leur boutique à d'autres créateurs pour leur permettre de se faire connaître. Le but, c'est de promouvoir les arts appliqués, c'est-à-dire mode, déco, bijoux, etc. Et donc notre boutique nous permet de diffuser nos propres créations, bien sûr, mais aussi d'autres créateurs que nous dédichons au coup de cœur et pas spécialement lyonnais. D'ailleurs, notre grande force, c'est de dégoter des créateurs qui n'ont jamais été diffusés sur la région. Et contrairement aux apparences, les créateurs masculins sont les bienvenus. Pour l'heure, seul un audacieux s'est prêté au jeu. Venez nous voir aux Audacieuses, rue Lénaud. À bientôt. Venez nous voir.